Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans ce 15e épisode de Saints Row The Third Remaster avec cette grosse musique brutale. Yeah! C'est métal tout ça. On se retrouve pour ce 15e épisode où on va continuer essayer de reprendre le contrôle de Steel Water. Steelport ou Steelwater, je sais jamais. J'oublie toujours, c'est Steelport, c'est pas Steelwater. Steelwater, c'est dans le 2 et 3. Rigs du Free Count. Ah oui, on est parti pour le combat de catch, je pense, ça va être là. Le combat de catch contre notre ami Killbane. Let's go. Listen, you can't fight Killbane. The fuck are you talking about? This is about honor. My honor. Fuck your honor. Killbane needs to be taken down. And you think you're the one to do it? You don't know a respawn from a padlock. I think that's a little harsh. Trust me, I can do this. Is that important to you? Nothing is more important. Then I guess we have to make it happen. Go to the Three Count Casino then. Together, we can right a wrong. Eh ben, avant de faire ça, est-ce qu'on peut améliorer le bastion au niveau 3? Ah non, j'ai pas assez, j'ai que 20 000. Bon, bah ça sert à rien. Parce que je me suis vu qu'on est dans bastion, pourquoi pas aussi partir maintenant. On va au garage. Voilà, on arrête avec cette musique de bourrin. Et on va au casino Free Count pour affronter Killbane. Alors, si je me rappelle bien, on arrive bientôt à la fin de l'histoire principale. Mais pas la fin du let's play parce qu'il y a encore les DLC à faire. Voilà, je vous rappelle, il y a des DLC de Saints Row à faire après. Donc, le let's play n'est pas encore fini, vous inquiétez pas, même si je pense qu'il reste plus beaucoup de missions à faire avant la fin de l'épisode, avant la fin de l'histoire principale. J'en sais rien du tout, parce que je m'en rappelle plus. Je sais comment se finit le jeu, je sais machin, mais je me rappelle plus de où est la fin du jeu. Voilà. Donc on verra bien. On verra bien. Combien d'épisodes il restera. Mais oui, on arrive quand même bientôt à la fin de ce let's play, même si, comme je vous ai dit, il restera encore les DLC à faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les stacks à éliminer aussi. Parce que oui, on peut battre Killbane, mais Killbane ne réglera pas tous les problèmes, parce qu'on a aussi le stacks qui sont sur notre dos, qui sont dans des parties où il y a des villes à ville protégées et tout. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai une étoile automatiquement. Parce que sorti de la zone protégée, je vais perdre mon étoile, je pense. On verra bien. Pourquoi il y a autant de monde? C'est encore les zombies qui sont en dessous, je suppose. Je suppose qu'il y a encore des zombies là. Ouais, il y a encore, je pense, les zombies en dessous. C'est pour ça qu'il y a plein de monde. Après, tant pis les zombies. On avait presque réglé leur problème aux zombies dans le dernier épisode. Et tant pis. Allez. Hop. Mais c'est encore loin. Dégage. Non. Oh putain, j'ai eu peur. Je croyais que j'allais tomber dans la flotte. Bon, on va rouler en contresens, tant pis. C'est pas très grave. Tant qu'il n'y a pas un stack ou un flic en face et que je fonce dedans, ça devrait aller. On y arrive au casino Free Count. C'est là où il y a la statue. Oula. Distance en contresens. Oh ouais, je suis à la moitié. Oh là là. Allez, let's go. Et on est parti, je pense, pour une cinématique. Let's go, c'est l'heure du combat, je pense. Okay, so why are we here? Losing his mask is the ultimate shame a luchador can feel. I can't steal it back. I need to earn it. All right, how do we do that? We hurt a lot of people. Donc on va cogner des gens pour qu'ils gagnent son masque, Angel. Ok. So what's the plan here? We tear this place apart until someone who knows where my mask is shows up. Like who? Détruire les emplacements. Whatever you say, mate. Ouais, on va y aller. Voilà, faut détruire les emplacements. Let's go. Il y a des luchadors qui sont là pour nous en empêcher. Ah oui, ça fait voler son masque, ok.
C'est bien ce que je comprends. Calme-toi, toi, voilà, dégage. Tu casses pas les couilles. Bon, bah, j'ai plus de munitions de. J'ai plus de munitions du flingue. Lui est en train de recharger, il meurt. Allez, on détruit tout. On a bientôt fini de tout détruire. C'est bon là, non? C'est bon là, non? Interroge le géant. Comment ça? Ah, le gérant, pas le géant. J'ai lu le géant, n'importe quoi. Ok. Trouve le coffre. Let's go. You broke my spirit. I didn't think I was worthy enough to get it back. What changed? Meeting the saints. Ok, le coffre est là. Here it is. Is this the real deal? I know every curve, every color, every mark on this mask. Then put that thing on and let's go. Angel de la Muerte is reborn! Il se prend pour Hulk Hogan. MDR. Ok, il y a des statues à détruire. Start with those statues. Fine with me. Dégage-toi. Je t'ai rien demandé. Toi non plus. Allons détruire les statues de Killbane. Il y a une statue là. Voilà, une de moins. C'est où le mec qui balance des grenades là? Dégage. Hop, dégage. Allons voir, trouvons les autres statues. Il y en a une au-dessus. Enfin, les autres ont l'air d'être plus au-dessus. Donc, allons voir au-dessus. Voir les statues. Ok, il y en a une là. Ah oh. Voilà. Dégage. Merci. Voilà. Il y en a une là-bas, à gauche. Elle est là. Voilà. J'arrive à tuer les gars sans tuer les. C'est bon, il y avait un géant. Ah, il y a bien un géant. Dégage. Et la dernière statue, je sais pas où elle est. Je l'ai pas vue. Ah bah, elle est là-bas. Elle est dans l'emplacement là. Oh oh, bim! Dans les couilles. Voilà. Allez, on tue les luchadors qui sont restants. Disons la brute. Dégage. Il y a eu la brute. Oh, je croyais que j'allais faire l'esquive. Ouf, ça va. Allez, on l'achève. Bim. La grenade dans la gueule. Hop, et dégage. Voilà. Toi, dégage, voilà, merci. Ils sont les derniers. Il y en a un autre là qui est en train de recharger. Ça dégage. Il y a un spécialiste là. Faut que j'apprenne à viser. Et bah voilà. Ah non, il reste deux en haut. Faut que j'aille en haut, merde. C'est par où qu'on va en haut déjà? Je suis plus, je perds. C'est par là qu'on va en haut. Les deux ou trois derniers sont en haut.
Your skills improve. Et le dernier. C'est vraiment pas les derniers, il y a deux brutes qui restent. Oh, il y a deux brutes. Oh non, c'est un brute avec une brute. Une brute, deux brutes avec des lance-flammes. Je comprends rien à ce qui se passe, aidez-moi, help. Allez, un de moins, il manque le deuxième. Merde! Allez, faites péter les bombes! Allez, ça dégage! Voilà! Ah non, c'est la fin de la mission, je croyais qu'il allait y avoir une cinématique. Rick, du recount terminé! 13 200. Et on a le Freecon qui appartient désormais au Saints et ça devient maintenant un bastion. Voilà, nouveau bastion. Et ça, j'ai envie de dire, c'est cool. Voilà, ceci maintenant m'appartient. Et si je veux, on va aller visiter un peu avant de reprendre notre aventure, notre mission. Voilà, ouais, c'est comme d'habitude. Voilà, c'est un peu toujours les mêmes. Les mêmes endroits, voilà, s'il y a des stripteaseuses et tout, voilà quoi. Allez, prochaine, il y a des améliorations vu qu'on a... Ah non, c'est juste l'amélioration des bastions. Voilà, limite de firement et tout. On va récupérer l'argent, je dois avoir de l'argent à récupérer, 96 000, putain. Ah ouais, bah, on va améliorer, vous savez quoi. On va commencer à un peu améliorer ce bastion aussi, hop. On va passer au niveau 2. Voilà, revenu du quartier par heure, bonus respect et tout le bazar. Voilà. Oh, 10% de munitions en plus. Et limite de virement, voilà. 10% de bonus de cash et 10% de respect en plus, voilà. 160 000 pour le niveau 3. Super. Allez au garage. Et on va faire une prochaine mission, let's go. Mud Brawl 31. Tonight's been a great night, and it's not slowing up, Bobby. An incredible night, Zach. And now, it's time for the main event. I can't wait. Let's do it. There he is, Bobby. Eddie Kilbane Pryor, the walking apocalypse himself. You can't help but wonder how the Stillwater Butcher can't compete. I'll tell you, Zach, this psycho is a complete whack job. You know, when he came out of the womb, this guy literally choked out the doctor with his own umbilical cord. Is that fucking sick? I'll be ringside keeping luchadors off your ass while you finish Kilbane. Good luck, man. Well, there it is, Bobby. The Saints receiving no love here. Not at all. It is raining hate down where they are, and of course it is. After what their capo did to Stillwater, they're lucky the fans aren't knifing them on their way to the ring. Wait, oh my God, look at that! It's Angel De La Muerte! Angel De La Muerte, the second half of Pale Riders, sometimes regarded as the herald of a walking apocalypse. The youngest wrestler to ever win the Super K-Cup is here in the Steel Court Arena. History is writing itself tonight, Zach. After his questionable loss to Kilbane years ago, Angel dropped off the face of the earth. If you're a fan of Murder Brawl, this is shaping up to be the best night of your life. Ok, donc on a appris que Angel était anciennement un partenaire de... Un ancien partenaire de Kilbane. Et il faut que je protège le ring. Des luchadors qui arrivent pour tuer avec des pleins d'armes à la con pour empêcher Allez, on va ramasser la torche, voilà. Il y a d'autres. Voilà, pour empêcher des gages, toi, voilà. Ah, là, les luchadors. Dégage, oula. Voilà, donc là, mon but, c'est de défendre le ring des luchadors. Pour empêcher l'arbitre de se faire interrompre.
pour que... Ah. Oh my god, the Angel is out of the ring! I can't believe this, Bobby. This is punishing to watch. The Luchadors are manhandling him. This is sick. He's getting kicked around like a sack full of dead puppies. Jeez, wait. The Butcher of Stillwater is making his way towards Angel. How much can one person be expected to... Oh my god, a chainsaw! What the f***? Oh my god! MDR, mais là, c'est plus du catch. Oh là là là, ça part en cacahuète. Allez, je dois empêcher Angel de... Je dois protéger Angel avec ma tronçonneuse. Mais c'est n'importe quoi ce... Ce show de catch, c'est n'importe quoi, c'est plus du catch là. Allez, let's go. Oh, n'importe quoi. Allez, on détruit tout. Pendant que Angel essaye de récupérer... En plus, la musique, il va pas du tout avec. Écoutez la musique, si vous arrivez à l'entendre. Oh, now this is classic Saints tactics. Use someone to weaken up the opponent. That's what I already beat your champion. Now. Ok, let's go pour le combat de catch. On peut enfin voir mes tatouages et tout. Oh, le choc slam. Oh, choc slam. Our support goes out to the people of Stillwater for the deaths caused by the Saints. I think you'd have to be naive to believe a giant like... Allez, tiens, prends ça. Espace, esquive. Et le dropkick dans le dos. Look at the brutality from the Butcher. Not like the punch is being thrown on here tonight, Zach. Both of our contenders seem to be out for blood. Killbang isn't bowing down to the Butcher anytime. Oh, projection dans le coin. Et... Bye. Ok. Allez, je l'ai réussi à le faire sortir du ring. Oh merde, le choc slam. Choc slam. J'ai une arme à récupérer, j'ai une arme à récupérer. Tiens, 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 tiens. Espace. On repart, le dropkick dans le dos. Et projection dans le coin. Oh, c'est contré. Allez, 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 allez. Les QTE. Oh, le coup dans les boules. Et le cochon pendu. Espace. Dropkick. Bim. Et... La corde à linge et... Killbane Bane Pat. Par-dessus la troisième corde. J'ai été obligé. J'ai été obligé de le faire, je suis désolé. Ah, maintenant il y a le Luchador. Dégagez le Luchador. Oh, le coup de pied. Allez, on est de retour. Affrontons Killbane. Espace. Projection dans le coin. Et... Les coups de bélier. Et 1. Et 2. 2. 3. 4. Et...
la planchette japonaise. Et Link qui monte sur la troisième corde pour faire. Oh, le descente du coude. Oh, on passe à travers le gars. Et l'étranglement. Ready for your close-up? Wait. I'll give you the secret of the apocryphus. Just leave me my mask. Ah, j'ai un truc. Démasque Killbane. Masque de Killbane si je fais. Ou si je récupère le Hub Point Apocalypse. J'ai envie d'avoir le Hub Point Apocalypse. Non, c'est bien. On va essayer, on va prendre le Hub Point Apocalypse. You want mercy? Tap out. Holy s***. Killbane has tapped out. The walking apocalypse has let his arms be broken without submitting. But the Stillwater Butcher has done the impossible. Et non, c'est pas dans cette partie. Killbane, it's just a match. It's my fucking reputation. This is my city. I am its Caesar. And I get to fiddle while it burns. Donc oui, je disais, c'est pas dans cette partie que vous verrez Killbane démasqué. On garde son masque malgré qu'il ait perdu. Je veux le upoint. Murder Brawl 31 terminé. Voilà, on a eu un petit combat de catch. 17600, c'est toujours cool. Hop, beaucoup d'XP, mais pas niveau 33. Ah, c'est niveau 33, tout juste. Et j'ai les gants de combat de Killbane, les Upon Apocalypse, sont désormais disponibles dans la planque d'armes de ton habitation. Je sais pas si ça me servira à quelque chose, mais bon, ouais, j'ai une nouvelle arme, c'est très bien. Tant pis pour le masque de Killbane. J'aime pas lutter masqué de base, donc c'est bien. Et voilà. On a fait les deux petites missions du jour. Pas de nouveaux trucs, ok. Pas d'argent. Si, 16 000. Ok, on a fait les deux petites missions du jour. Est-ce qu'on continue ou on continue? Non, on va aller récupérer, faire deux in escort. Let's go. Pour augmenter les trucs de territoire. Merde, j'ai une recherche de avec les membres du gang parce que je l'ai poussé sans faire exprès. My car, your bloody problem. No one who was in attendance will ever forget the incredible spectacle that was Murder Brawl 31. Ah, il parle de Murder Brawl où j'ai... Ouais, mais la voiture où j'ai gagné. Et Killbane a perdu. Allez. Ah non, c'est les trucs du tigre. Oh merde, c'est le tigre. C'est pas une escorte normale, c'est le tigre. Bon bah tant pis, on va faire avec. Wow. Ok. Bon, le tigre est content pour l'instant. Dégagez. J'ai un tigre. Rage animale. Ah oui, c'est vrai que si je fais des accidents, la rage animale elle augmente. Le truc qui va pas du tout avec la musique classique. C'est très drôle. Allez, on continue. Ça augmente petit à petit les camions de trucs. Mais non ! Oh là 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 ! Pas possible ! Les camions de télé qui essayent de nous filmer. Ouais bah ouais. Allô, la voiture. J'ai perdu. Allez, j'ai perdu. Let's go, c'est fini. Ah oui, et vite vite c'est retourné. Ah oui, bah on recommence, tant pis. Bah oui, je suis un mauvais conducteur, je le sais. Allez, on recommence, c'est pas grave. C'est parce que j'avais une mauvaise musique. Avec du reggae, ça sera beaucoup mieux. Mais non, pas quand il y a un camion de poubelle, le tigre. Oh. Buy me and I'll have your...
quand même un peu chiant ce truc du tigre là. Oh mais non, mais en plus il attaque toujours au mauvais moment. Et voilà la télé en plus elle est là. Oh là là, c'est compliqué. J'ai totalement zappé que ces missions étaient assez compliquées. C'est pas grave, ça augmente mes personnes renversées, c'est très bien. Oh, mais même que Crocting m'attaque pas, bah j'arrive à me botter tout seul. Oh là là là. Tiens, on est même pas à la moitié, mais c'est long! C'est long! Vas-y, c'est très bien. C'est hyper long comme mission, on est même pas à la moitié. Dégage la télé. Non, va de l'autre côté. On peut pas aller à droite. C'est bloqué. Oula, oula, la rage animale qui a augmenté d'un coup. Mais non! Dérape pour calmer le tigre. On va rouler en reculant, c'est très bien, non? Ah oui, c'est ça, ma vie se perd, et si j'ai plus de vie, bah je suis mort et c'est terminé. Putain. Allez, le tigre est calmé. Putain, mais c'est pas possible. Oh non, je vais finir à la flotte. Beaucoup de chances de finir à la flotte, de passer par là, je vous dis. Je sais pas où je suis, mais je suis bloqué, je pense. MDR, je suis bloqué. Mais non. MDR, je suis bloqué. On va faire comme ça, voilà. Parce que la télé, elle est en train de bugger. Et bah, et là le courage augmente. Bon, on va faire ça. Voilà, c'est cool, non? J'ai trouvé un bug. Bon bah, vous savez quoi, petite ellipse ou en accéléré, je sais pas encore. Et puis voilà. Parce que voilà, je pense que là la mission, ça a plus l'air d'augmenter le courage. Il augmente pas le courage, il augmente mais très très lentement. Bah vous savez quoi, petite ellipse jusqu'à ce que j'y arrive. À tout de suite. Allez, voilà, c'est fini. Je suis content. Voilà, terminé cette escorte de merde. C'était nul. Ouais, j'ai fait des allers-retours en essayant de pas tout exploser contre les murs en reculant et en avançant. Parce que la voiture, vu qu'elle était pas très très bonne, en très bon état. 6600, c'est toujours bien. Je prends un peu de respect. 24% du quartier des Luchadors. Oh, je peux avoir des catcheurs dans mon gang. Ce qu'on ne fera pas. Ok, ça c'est fait. Il y a une mission juste là, tout en face. Bon, on va la faire tout de suite. En plus, c'est une mission que j'aime bien. Donc, super. Trop bien. Hop là, faisons-la. Ah, c'est un chaos. Ah bah, c'est pas ce que j'aime. Je croyais que c'était le truc des... Ah bon, bah, non. C'est pas une des missions que j'aime le plus. Faire du chaos comme ça... Voilà, je vous préviens, je vais faire ça avec le il me tire d'où? De derrière. Je vais le faire avec le comment ça s'appelle? Le lance-roquette, c'est parce que ça fait plus, oh, putain, plus de dégâts. Non merde, j'ai pris feu, le con.
J'en ai, bim. C'est pas grave. Oh, y a le SWAT. Ça dégage. Ça dégage. Même s'ils sont proches de moi, tant pis. Y a un hélico, non? Ouais. Ça dégage. Putain, j'ai pris les bouts de l'hélico sur la gueule. Hop là, dégagé. Le stack se dégage. 22 000 de combo. Je m'explose ça sur moi, c'est super. Je comprends rien à ce qui se passe. Si vous comprenez quelque chose, je suis preneur. Parce que moi, en réalité, je tire vraiment n'importe comment. Je tire en me disant, il y a des trucs qui pètent, ça pète. Donc tant que ça pète, je fais des points et c'est une bonne chose. Putain. Il y a les Vettel. Voilà, ça dégage, j'ai pris feu. Je sais pas pourquoi j'ai pris feu. Ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi j'ai pris feu. Parce que maintenant il y a des géants. Tabac, j'ai vie illimitée. Parce que je serais mort très longtemps là, en vrai. Allez, dégagez. Imaginez si on n'avait pas de lance-roquettes pour cette mission, ça aurait été de la merde. Je suis bloqué, c'est bon, je suis plus bloqué. Je suis à 185 000. J'ai jamais réussi à le faire. Je suis même pas à 200 000. Et il reste 1 minute 30. Ça va être chaud. Très très chaud, je vous le dis. Hop, ça peut peut-être le faire. Il reste 60 000 à faire. Dégagez avec votre véhicule là, voilà. La voiture a rien demandé, elle est passée là, elle est morte. C'est très drôle. Ah, ça va le faire, c'est bon. Oh là là là. Il y a des carcasses de véhicules qui disparaissent parce qu'il y a trop de. Il y a trop de véhicules. Il y avait trop de carcasses de véhicules. Il reste 30 secondes. Putain, je l'avais pas vu. Comment il a réussi à survivre à tout ça? Il arrive à survivre à une... Allez, il me reste 3000. Ça devrait le faire. Putain, ça ne va pas le faire. Oui, c'est bon, je l'ai fait. C'était chaud, il me restait 9 secondes. C'était chaud. Terminé. 6600. C'est dans la besace. Et niveau 34. Et on était chez les Deckers. C'est pour ça que c'est les Deckers qui nous attaquaient. Ça me... Ok. Ok. C'était compliqué mais j'ai réussi à le faire. On s'en fout de ça. J'ai envie de dire on est là. Asso hélico. On va acheter ce truc. Après on fera l'asso hélico. Tiens, donne-moi ta voiture, toi. En plus, c'est une très belle voiture, j'aime beaucoup. Il y a une voiture de sport et tout. Let's go. Allons acheter le bâtiment. Voilà,
Allez, vroom vroom. Ah, on est... il y a le bâtiment à s'offrir. C'est quoi comme bâtiment? C'est le Snookies Sundries and More. 1000$, vas-y, j'en achète. Comme ça, augmentation des deckers. On va faire l'assaut hélico qui se trouve là. Hop là. On prend la voiture, let's go. Oh, il y a une photo à faire. Bah, vu que j'y suis, vu que je suis à côté, on va y la faire. Elle est dans le parc. Ça a l'air d'être dans le parc, la photo. Enfin, pas, c'est pas un parc, c'est dans un, c'est dans la cité. Bah, t'es où? T'es où, celui qui veut une photo? Ah bah... la personne n'apparaît pas. Peut-être la journée, j'en sais rien. Bon bah tant pis, on va aller faire l'assaut hélico, c'est pas grave. Ce sont deux choses qui arrivent, des petits bugs du jeu. Allons faire l'assaut hélico, je sais même plus ce que c'est l'assaut hélico. Oh, c'était joli. Hop. Let's go. Je sais plus ce que c'est. Faut tout détruire avec l'hélico, c'est ça? Ah non, c'est protéger le contact. Il y a 4 blocages à effectuer, ok. Il y en a avec Kinsey, donc ça va être les tickers. Et les ennemis. Dégage. Monsieur, faut mourir, voilà. Il y a une roquette? Ok, ils ont une roquette. Sauf que le problème de la roquette, c'est que les roquettes sont pas... sont pas radio-télécommandées. Dégage. Alors, où est votre premier blocage? Il est là. Ok, dégage. Allez, premier blocage. C'est fait. Ça dégage. On va réussir à passer, si. Ah bah si. Ils ont quand même réussi à passer. Bon, ils ont pas réussi à attaquer la voiture. Un peu loin, je suis un peu loin, je suis un peu trop éloigné de la personne que je dois protéger. Ok, ça va. Ok, on est au deuxième blocage, non, toujours pas. J'ai beaucoup de mal à contrôler Nico, comme vous pouvez le voir. Avant le pont, c'est très bien parce que sous le tunnel ça aurait été chiant. Enfin, sous le pont, dégage-toi, hop. C'est bon, on est arrivé? Toujours pas. Ok, on y est. Deuxième blocage. Hélico, voilà, ça dégage, on est parti. On a débloqué, on a détruit 50% des hélicos à détruire pour les petites missions secondaires. Je sais pas sur tirer sur quoi, mais je tirais sur un truc. Des meurs, voilà. Oh, la roquette, c'est bon, elle passe pas. Meurt. Alors, s'ils voulaient vraiment me faire un peu plus difficile, ils auraient dû ils partent à 15 voitures, c'est fini là, j'en peux plus, et ils peuvent tuer Kinsey tranquille, ils sont un peu cons.
Au vol, mais c'était magnifique. C'était magnifique de l'avoir tué au vol comme ça. D'avoir détruit la voiture au vol. Ça dégage. Là, je suis un très bon, une très bonne personne qui protège bien ses potes. Ok, ils sont menés au prochain blocage. Le gars a tué, ils sont bloqués là dans les immeubles. Voilà. À travers les arbres. Alors on va déjà s'occuper de l'hélicoptère, voilà. Et de toi, voilà. Je sais pas où il est parti, lui, mais il est parti. Et pousse-toi, toi, sinon je te détruis. Ouais, c'est ce que vous devez faire depuis le début, venir à deux voitures, non? Après, faut être sur l'autoroute là, parce que ma pote elle est sur l'autoroute, elle est pas en dessous. Bande de tocards. Allez, bim. Ça se détruit. Ah mais c'est le dernier blocage, j'avais pas vu. Mais ouais, c'est le dernier blocage, donc tranquille. Ah, perdu, ah, presque perdu de vie. C'est trop simple. Cet assaut hélico était très simple. Je pense que c'est un niveau facile en fait. Voilà, dernière société. Il y a une voiture qui arrive de je ne sais où, de là-bas. Je vous serais détruit, c'est pas possible. Mais non. Mais je suis tellement fort, je suis tellement un sniper de l'hélico. Ah bah voilà, c'est fini. C'était simple. 4400. Ah, c'était un moyen. Parce que 2000 faciles, 4500 moyens et 6000 difficiles. Ça doit être ça, si je me rappelle bien, des prix. On va voir ça tout de suite. C'est sa difficulté moyenne. Bah, j'ai pas senti. Allez, on va faire une petite traînée ardente. Mission que j'aime bien, les traînées ardentes. En vrai, j'aime beaucoup les traînées ardentes. Mais non, tu peux pas y aller en... Voilà. Traînée ardente, c'est très très cool. On avait déjà fait une. Allez, let's go. Il y a un paquet de thunes. Qui doit être au-dessus de tous les trucs. Tant pis, on va pas... Ah si, on va essayer d'aller le chercher. Vous savez comment? On va sortir de la bagnole. On va la mettre là, la bagnole. Comme ça, on monte de... Non. On monte dessus. Voilà, non. Monte dessus. Monte dessus. Non, il est bloqué derrière la bagnole. C'est pas grave. Non. Monte sur la bagnole. Voilà. Ah, t'y étais presque. Je pense qu'en courant, ça peut le faire. Voilà. Oh non, c'était dommage. Bon, bah, le mec, il est mort. Ah non, il est pas mort. Il est toujours vivant. Non, non, non. Allez, attendez. On essaye de faire avec les bugs du jeu. Voilà. Non, mais non, sa glissade, sa roulade, il l'a fait trop. Voilà, non. Oh, il glisse trop sur sa glissade, c'est pas possible. On recommence une dernière fois. Si vraiment j'y arrive pas, bon, tant pis. Si je vais sans glissade, ça peut le faire, non? Enfin, sans roulade. Je dis glissade, mais je parle de la roulade, bien sûr. Oh non! Oh, ça sert à rien, je peux pas y aller. Allez, oh. Donc il y a une survie. Vous allez voir c'est quoi la survie. C'est une survie, c'est que on se fait attaquer.
et le but, donc on va y aller, la carte s'il te plaît, voilà, la survie se trouve là, et de temps en temps comme ça, pendant qu'on joue, qu'on est en mode libre, il y a Lady Cœur, voilà, où là je dois survivre pendant 6 vagues, et là je dois tuer 3 mecs, voilà, on passe à la deuxième vague. Deuxième vague, faut que j'en tue 8. De base, ce genre de truc, je le fais... Oh putain, je vais mourir. Je le fais avec des potes. Enfin, avec des potes, je... Merde, c'est la police sur qui je tire. Il en reste un ou pas du tout, c'est fini? Il m'en manque deux à tuer. Mais où celui qui me tire dessus là? Bijoux de famille, allez. Allez, 7. Il y en a que 7. Il en manque 2, il m'en manque un. Les gars, venez, il m'en manque un. Derrière moi. Ah ouais. Ok, 2 sur 6. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va après ça. C'est vrai que j'ai amélioré cette arme, j'avais totalement zappé. Ah, ça c'est mes potes, merde. Tout 10 à tuer sur. Oh là là, mais ça devient de plus en plus compliqué. Qui balance des roquettes là? C'est lui derrière qui balançait des roquettes? Il y a des gens avec des roquettes. Ouais, madame, faut mourir quand même un jour. 5 sur 10. Alors je sais toujours pas d'où viennent les roquettes, mais je vois que ça tire des roquettes. T'es où? Les spécialistes des cartes, c'est les pires. C'était une très mauvaise idée ce que j'ai fait. Je vais mourir. Dégage! Parce que mes potes sont fait tuer. Je vais mourir! Il m'en faut tuer 8. Oh non, elle va me tuer, c'est elle qui va m'achever. Je vais mourir, salut! Et voilà. Tant pis, la survie, j'ai pas réussi. Aïe 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 aïe. Pff, mais ils étaient trop, il y avait trop de monde, fallait que je prenne des potes avec moi, j'ai totalement oublié. J'avais plus d'armes, j'avais plus de trucs. Tant pis! Tant pis, tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Et où ma traînée ardente? Elle est à l'autre bout du monde. Il n'y en a pas une à côté. Bon, bah tant pis, on va s'arrêter sur cette défaite. Tant pis, on va faire ça. On va partir sur cette défaite, voilà, de la survie. J'espère que cet épisode, ce 15e épisode, vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager et activer la cloche. Moi, je vais tourner le 16e dans la foulée. C'est comme ça, c'est tranquille. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager et activer la cloche. Je me suis sur Twitch, Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. C'était Kinka plus tout le monde. Bye bye.